Alors, en 2008, quand on est arrivé, on a créé un service économique qui accompagne les entreprises qui sont sur le territoire, qui veulent se développer, qui veulent se maintenir bien sûr sur le territoire, mais aussi celles qui arrivent. C'est très difficile en France quand vous voulez vous installer, monter une entreprise, vous savez les démarches qu'il faut faire déjà des particuliers. Et au niveau des entreprises, c'est encore plus compliqué. Donc ce service économique les aide et les soutient, et c'est ainsi qu'on peut avoir des entreprises sur notre territoire qui proposent des emplois, parce que le but, c'est là. Hein. Alors, je vais vous amener promener. On va monter au Kaila, où il y a une ZAC qui s'est créée, zone d'activité économique, qui est pleine maintenant. On a 8 entreprises et 25 emplois. À Soubès, on a 10 entreprises installées pour 17 emplois. Alors, on n'a pas des grosses entreprises, mais certaines, 10 plus 10, c'est toujours ça. Au Capitoul, on a 18 entreprises. Il y en avait certaines, il y en a des nouvelles qui se sont installées. Il y a toujours des entreprises qui arrivent, heureusement, sur notre territoire, parce qu'ils y croient. Et là, on a 170 emplois. Sur les moulinages, on va accueillir une entreprise, l'entreprise Musarelli, avec 50 emplois. Ils ont signé un compromis. Les autocars du Lot-des-Voies également, ils sont sur la zone du Capitoul, mais là, ils vont s'agrandir, pareil. Là aussi, vous avez vu que l'entrée de ville a changé, hein, quand vous partez sur Montpellier. On a le monsieur bricolage qui a tout reconstruit, JP, ça a créé 11 emplois de plus. Et on travaille aujourd'hui d'arrache-pied pour compléter l'offre. Il n'est pas question d'enlever quelqu'un du centre-ville pour en mettre un là-bas, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, il y a manque de choses sur l'ODEP, donc on va vraiment essayer de compléter l'offre et ça évitera l'évasion commerciale parce que les gens, quand ils ne le trouvent pas ici, ben, ils vont ailleurs, hein, Clermont, Montpellier, Béziers, voilà. Alors, le prix à eux, vous savez que Michel en a parlé, c'est quand même 15 millions d'investissements qu'a fait la région et qui a permis donc à nos entreprises lodévoises de travailler pendant des mois et même des années pour certaines, parce que il y a eu le parc photovoltaïque également qui a permis à des entreprises de travailler. Et en ces périodes de crise, c'est pas négligeable, hein, parce qu'il y en a qui souffrent. Pour parler du soutien au commerce, donc là, on a monté, dans le cadre du FISAC, des opérations, et les entreprises du territoire ont pu se moderniser. Il y en a eu 73 sur toute la communauté de communes du Lot-des-Voies et une quarantaine sur l'Odève. Et on a quand même un nombre de commerces, malgré des fermetures qu'on voit par-ci, par-là, qui augmentent sur l'Odève. Aujourd'hui, on travaille à accueillir un restaurateur, un salon de thé, du matériel médical, une boutique qui va ouvrir. Il y a encore des porteurs de projets et il y a des gens qui croient à l'Odève. Et je pense que l'augmentation de la population est significative et ça veut dire que les gens viennent maintenant s'installer sur l'ODEP. On a aussi créé l'office du commerce. Ça va aider, si vous voulez, tous les commerçants, les associations des commerçants. On a eu 3500 entrées au Salon des métiers d'art. Les gens viennent d'un peu partout et c'est vrai qu'il prend de l'ampleur. Au niveau du tourisme, donc ça c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui vivent du tourisme. Le musée, bien sûr, c'est significatif. On a 50 000 visiteurs à peu près par an. Plus de 50 000 visiteurs. On est classé grand site, Navacelle, le Salagou, le Larzac. On a plein d'atouts sur cette commune et puis sur la communauté de communes. Et je crois qu'il y a de quoi faire encore. Voilà, et je pense qu'on en a fait pendant 6 ans. Moi, il me semble que 2008, c'était hier. Je ne les ai pas vus passer, ces 6 ans. Voilà, et merci à tous. Et en espérant que vous serez toujours solidaires et à nos côtés. Merci.